tous, chers partenaires. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce mois-ci en vidéo, parce qu'on ne pouvait pas se passer de vous. Il fallait absolument qu'on vous adresse un message et vous dire qu'on pense à vous, qu'on pense aux thématiques des rencontres pro 2021, qu'on a plein de sujets à vous proposer. Et comme on est à l'écoute de vos besoins, eh bien on souhaite vous proposer une thématique sur la communication, notamment la communication digitale, une autre sur le recrutement, et puis on vous parlera aussi d'autisme. Les idées fourmillent, on a plein de sujets. Si vous avez des propositions à nous faire, on est à votre écoute. Et puis on vous proposera aussi de retrouver toute l'équipe en présentiel, nous l'espérons, suite au calendrier qu'on vous a dressé fin d'année dernière. On est à votre écoute si vous souhaitez nous accueillir, si vous souhaitez nous proposer des sujets. C'est avec plaisir que je vous laisse découvrir les nouveaux visages de Port Michel à destination et retrouver des visages connus qui vont vous donner des informations croustillantes sur Port Michel. Bonjour à tous, je suis Bastien, le nouvel arrivant à l'Office de tourisme de Pornichet, conseiller en séjour, guide, référent qualité et RGPD, donc Réglementation Générale pour la Protection des Données. J'ai intégré l'équipe il y a peu de temps, au mois de janvier, et je suis ravi du coup d'être présent et je l'espère bientôt avec vous tous. Les 18 et 19 janvier, nous avons participé à un workshop proposé par ADN Tourisme où le département était représenté avec Loire-Atlantique Développement, Saint-Nazaire-Renversante et également Port Michet. Donc le but étant bien sûr de séduire les journalistes et les influenceurs par le biais de vidéos, puisqu'on ne pouvait pas être en présentiel comme c'était prévu à la base. Donc le but a été justement de, en 20 minutes, eh bien de faire la promotion du territoire de Pornichet, ses atouts, mais également tous les événements et tout ce qui était représentatif de la destination. Donc on a eu des magazines nationaux comme Santé Magazine, Femmes Actuelles et également Le Petit Futé hein, qui ont donc répondu présent, mais également des influenceurs donc spécialisés dans différents domaines comme les séjours de charme, également donc un influenceur plus basé sur le patrimoine et l'histoire des villes, et puis une troisième qui était donc axée sur les voyages en solo pour les femmes. Donc l'occasion effectivement de montrer tous les atouts de la destination, et puis l'occasion surtout de se rendre compte que Pornichet n'est pas si connu au niveau national, puisqu'il fallait en fait situer hein, le territoire par rapport notamment à Nantes, mais aussi par rapport au Marais Salant de Guérande et à Saint-Nazaire, mais des bons contacts qui vont sans doute donner lieu à des articles et puis voir des voyages d'influenceurs ou des accueils de presse. Et puis un deuxième rendez-vous va être proposé le 9 avril avec une thématique plus axée sur les grands événements proposés par la ville qui font la particularité de Pornichet. Autre action de communication qui a été réalisée ces derniers temps, c'est la mer en hiver, toujours en partenariat avec Loire-Atlantique Développement et puis les villes de Saint-Nazaire, la Beaupresqu'île de Guérande, Saint-Brévin et Pornic. Le but étant de faire la promotion de la destination sur les séjours d'hiver, donc déployer en fait les ailes de saison et faire venir davantage de touristes pendant tout le reste de l'année. Donc cette action de promotion, elle a été un peu réduite, hein, Covid oblige. Elle s'est principalement concentrée sur les réseaux sociaux des 5 destinations et du département, mais également donc sur des encarts publicitaires qui ont été faits dans le magazine de la région, également dans le Ouest France, et puis des articles également. Et on continue cette opération pendant les vacances scolaires, puisqu'il va y avoir un reportage photo qui va être fait dans les 5 villes pour justement avoir des visuels plus thématiques, hiver et bord de mer. Nous vous rappelons également que les partenariats pour 2021 sont gratuits pour les acteurs économiques de Pornichet, que vous soyez artisan, commerçant, prestataire de services ou toute autre activité touristique. N'hésitez pas à nous communiquer donc votre actualité, nous les mettrons en ligne rapidement. Et nous vous rappelons également que les visites guidées ont recommencé, alors si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Pornichet, n'hésitez pas à réserver. À bientôt. Et pour conclure, on voulait vous parler de l'étude de fréquentation qui a eu lieu sur Pornichet du mois d'avril au mois de septembre 2020 en partenariat avec Bretagne Loire-Océan. Les touristes qui venaient avec une nuit en hébergement marchand ou non marchand sur Pornichet, les excursionnistes, pour la part des touristes, ils ont été 3 millions entre le 1er avril et le 30 septembre 2020,
multiplié en fait autant qu'en 2019 sur la même période. Donc on note un fort rattrapage du coup sur les mois de juillet-août parce que du coup on se souvient bien, il y avait le confinement au printemps. On observe la même chose au niveau des excursionnistes, donc ceux qui viennent à la journée à Pornichet. Pour eux du coup ils ont été 3 millions d'avril à fin septembre. Contre 2,4 l'année d'avant. Donc voilà, c'était pas une impression, il y avait vraiment beaucoup de monde sur Pornichet cette année. Il y a vraiment eu un effet rattrapage sur la saison, vraiment très haute saison. On note un léger recul de la clientèle étrangère, mais qui est compensé par la clientèle française. Donc voilà, on a eu l'impression qu'il y avait du monde cet été à Pornichet, c'était pas une impression, c'était la réalité. Sans surprise, les week-ends les plus fréquentés sont ceux du 14 juillet et de tout début août, avec vraiment une très très forte augmentation sur le week-end du 14 juillet et 12-13 notamment. Et puis à noter aussi, au mois de septembre, du coup, on a deux week-ends qui sont supérieurs à l'année dernière, le deuxième et le troisième week-end de septembre. Donc voilà, pour conclure cette vidéo et rencontre pro, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour des aventures pornichouettes.